bien qu'étant opposé à un système de pillage des ressources financières de la République du Congo. Cependant, il y a deux points de mesure dans l'affaire Figa. Si Jacqueline Lidja Mikolo est mise en cause dans le vol de l'argent public dédié aux petites et moyennes entreprises pour ses dépenses outrancières, comment peut-on fermer les yeux sur certains hommes politiques du Nord comme Jean-Jacques Bouya et Christelle Sassou-Nguesso? Parlons de Jean-Jacques Bouya. Lors d'une session parlementaire, il avait été épinglé par le député Ibovi pour avoir détourné plusieurs milliards dans la construction d'une route, fictive. Vrai ou faux? Christelle Sassou-Nguesso, née d'une mère étrangère, ce fils illégitime qui veut briguer la magistrature suprême du Congo a été épinglé dans plusieurs affaires de corruption, dont la vente des tankers de pétrole. Pourtant, il n'a jamais été inquiété. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de Jacqueline Lidja Mikolo, certains caciques du PCT instrumentalisent l'affaire Figa? Qui peut penser que les ministres du régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso sont bien vêtus pour ne pas succomber à la corruption de tout genre? La corruption au Congo porte la signature d'un seul homme, Denis Sassou Nguesso. Il est celui qui a institué et banalisé le vol à tous les étages de la société congolaise. D'ailleurs, le dictateur congolais, l'empereur Mboshi, avait promis de mettre la main sur les gros poissons lors d'un discours brinque-ballon devant ses sujets. Une promesse qui tarde à voir le jour. L'affaire Figa nous révèle en effet le tribalisme ambiant au sein de la société congolaise. Les voleurs nordistes peuvent se permettre de tout alors que ceux du sud sont jetés en pâture. Une justice à deux poids de mesure qui n'est pas prête à réconcilier les Congolais dans toute sa diversité.